Bonjour monsieur, c'est le calendrier des bœufs, bonne année. Mais on est en novembre. Ah ben c'est à cause de la concurrence déloyale, hein. Premier arrivé, premier servi. Ouais. Alors voilà, vous avez celui-là, 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 celui-là et celui-là. C'est au choix, comme vous voulez. Pas en dessous de 5 euros, mais vous pouvez donner ce que vous voulez, ou plus, hein. Bonne année. Quelle heure il est? Bah 7 heures, on se lève tôt, nous, on bosse, nous, hein. Je vous ai réveillé. Ah, vous êtes au chômage? Mais non. Comme on dit, bonne année en écossais? Hein? Oh. Oh. Bon alors, vous m'en prenez un? Hein? Calendrier? Ouais. Allez, 5 euros mini, hein? Sinon, c'est pas la peine qu'on se déplace, vous comprenez, hein? 10 euros, ça le fait, mais 15, c'est mieux. Ou plus, hein, vous gênez pas, hein? Oh bah, y'en a qui donnent plus, hein. Même les chômeurs. Je suis pas au chômage. Ouais, ouais, ouais. On dit ça, mon beau-frère aussi, on a pris pour 3 ans. La feignasse. Alors, pour celui-là, voilà, pour 5 euros, je peux vous donner ça, je peux pas faire mieux, hein. Ben, bonne année quand même, hein. J'espère que vous avez trouvé du boulot, hein. Parce que pas avoir 10 euros pour souhaiter une bonne année, hein, c'est quand même grave, hein. Hein? C'est grave quand même, hein. Hein? Bonjour, c'est le calendrier des pompiers. Bonne année. Mais on est début novembre, merde. Eh, je sais, cette année on passe un peu plus tôt, mais pendant les fêtes on est d'astreinte. Ça pète de tous les côtés, on n'a pas une seconde. Écoutez, je viens d'en acheter un aux éboueurs. Ils sont passés il y a combien? J'en sais rien, moi, je sais pas, moi, 5 minutes. Tour 12, ici, maman. Ouais, maman, j'écoute. Phase 2, on s'est encore fait déborder par la tribu des Feolia. Saute de bloc. Quoi? Saute de bloc, on va se les faire, ces sous-développés. Bien sûr. Merci, maman. Ils sont malins, ceux-là, ils arrêtent pas de nous griller. Seulement, si vous êtes en train de griller, c'est pas eux qui vont venir vous sauver. Puis nous, on fait jamais grève. Bon, visez-moi ça. C'est pas du calendrier des boeufs, ça, hein? Y a du monde au balcon. Ça fout le feu, non? Ouais, ouais. Vous êtes homo? Mais non. Bon, c'est combien? 15 euros. 15 euros? Mais c'est des pompières bénévoles qui posent. Faut bien qu'elles vivent, ces pauvres filles-là. Surtout qu'elles sont pas particulièrement douées pour jouer les pompiers. Elles seraient plutôt douées pour les tailler. Bon, en même temps, si vous êtes de la jaquette, je peux comprendre. Mais je suis pas de la jaquette, mince! Alors, faut m'en prendre un. Hein? Nous, on sauve des vies, nous. Bonjour monsieur, police nationale. Bonjour. Numéro d'immatriculation, s'il vous plaît. Hein? Numéro. 7412 TBS 75. Écoutez, monsieur l'agent, je suis rentré tard hier soir. Je suis crevé là. Pourquoi vous paniquez comme ça? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Eh non. Alors bonne année. Vous avez eu peur, hein? Ah si. Vous avez eu peur. Non. Regardez. Les meilleurs flics du commissariat. Que le top du top. Hein. Voilà. C'est 300 euros. L'achat est obligatoire. Hein. La loi est passée il y a 5 mois. Quoi? Non, je blague. Ah. Hein? 300 euros. Non, mais là, je blague pas. Là, c'est le vrai prix, monsieur. La blague, c'était pour l'obligation d'achat. 300 euros? Ah, c'est pour les œuvres de la police. Les orphelins, les femmes enceintes, tout ça. Faut pas avoir des oursins dans les poches. Parce que quand vous vous faites attaquer par la racaille, vous êtes bien content qu'on soit là, oui ou non? Attendez, oh, quand on se fait agresser, vous êtes jamais là. Et vous êtes là que quand on grille un feu. Bon. Je vois qu'on le prend mal. Critique à agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions. Mais non. Ta gueule, Messi. Ça va vous coûter dans les 600 euros, ça. Oui, non, mais je vous... Oh. Et je vous parle même pas de voiture qui doit être mal garée quelque part, parce qu'on va la retrouver, hein, croyez-moi. Avec la fourrière, ça va vous faire au moins 700 euros. Oula, ça peut coûter bonbon, ça. Le port du slip est obligatoire, article 15. Je suis désolé, j'ai dû l'y arriver, monsieur l'agent. Ça, ouais. Montrer son sexe à un agent de la force publique, ça, c'est au minimum 2000 euros. Dites-moi, ça vous fait une journée à 3-4 000 euros, ça? Vous avez les moyens, bon, hein? Bon,
Vous prenez l'échec ? Ouais, vous n'allez pas regretter, croyez-moi. Bonjour. Aujourd'hui, beau temps, merci, ça va ? Je vous préviens, si vous me sortez un calendrier, je non, vous... Non, je te laisse des mains pour pétition. D'où vous sortez ? Cressounia, Begroviuch, Sud. Mais je français tout à fait, hein. J'ai papier tout en règle. Autorisation ministère, tout, tout bien. S'il vous plaît, pour trois nités. Quoi ? Parité, trois nités. Comprenez-vous ? Rien. C'est dire à le gouvernement, ministre, un homme, un femelle, un petit homme, moi comme. D'accord ? Entreprise, direction, un homme, un femelle, un petit homme, partout pareil. Normal ? Pas raison, traitez-nous comme petits racouillons, alors que laisse voter SDF arabe. Merde ! Ça va ? Signature là, s'il vous plaît. Donne. Quoi ? Donne, syndical, minorité, nanique, donne argent, s'il vous plaît. Non, je viens de me taper 500 euros de calendrier, ça va comme ça. De toute façon, j'ai plus de monnaie. Chèque ? Oui, bien sûr. Pour aider cause, nous, non, s'il vous plaît. Non, je vous ai dit non, c'est non. Noël, non. Bonne année. Non, je vous dis non, partez, Noël, vous êtes tranquille. Bonne année. Non, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de bonne année, vous vous tirez. Il faut avoir plus de s'il vous plaît. J'ai un vrai problème avec vous, hein. Un problème de conscience. J'aime pas ça. Parce que, en tant que donateur volontaire des œuvres de la police, vous avez droit à une certaine indulgence, mais enfin, vous avez poussé le bouchon un peu loin, non, vous croyez pas ? Je sais pas ce qui s'est passé. Je reconnais, je déconne. Faut t'avouer à moitié pardonner. Enfin, va falloir me débarrasser de tout ça, hein. Parce que non seulement elle empiète sur les clous, mais en plus, il y a les deux roues sur le trottoir. Vous avez un quart d'heure. Vous foutez de ma gueule ? Non. Oh ! Merde ! Ah, mais nettoyez pas chez vous, quoi, c'est dégueulasse ! Vous allez finir par tuer quelqu'un ! Oh, Madame Goupil, vous m'avez fait peur. Oh, bonjour, Monsieur Fred. Je voulais vous dire, depuis la mort de Monsieur Goupil, je me sens si seule. Je peux entrer ? Hein ? Non, je suis très occupée, là. Si juste un moment pour parler, vous m'offrez un café ? Mais non, merde, mais vous rigolez ou quoi ? Alors, vous jouez les sans-culottes, là, puis après, il n'y a plus personne ? Mais Madame Goupil... Ouais, je m'en doutais. En parlant de sans-culotte, justement. Ça vous dit quelque chose, ça ? J'en ai bavé, hein, pour redescendre tout ce qui restait jusqu'à l'ascenseur. C'était pas beau à voir. Remarquez, je suis comme vous. Les gens comme ça, je les aime pas beaucoup non plus. Mais là, vous avez fait fort, Monsieur Fred. Tiens, pendant que j'y suis...
Bonne année. C'est moi qui l'ai fait. C'est pas joli joli, mais c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? 6000 euros, ça vous va? Quoi? Monsieur Glock, mon premier mari, il mettait jamais de slip non plus. Ah, c'était un chou. Allez, je rentre 5 minutes et puis après je continue à nettoyer les traces de sang. Madame Goupil, pitié. Promis, je vous jure, je vais le faire. Je vais continuer, mais là, je pouvais pas parce qu'il y avait la police qui rôdait dans le coin. Je suis homo. C'est parce que vous avez jamais rencontré de vraie femme. Hein? Non, mais Madame Goupil, s'il vous plaît. Je vais vous montrer, moi. Et madame...